Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous cuisinons des légumes pour que nos enfants mangent mieux avec une préparation facile à réaliser. Suivez la recette et vous parviendrez à leur faire adorer les légumes puisqu'ils seront cuisinés sous forme de spaghettis. Pour cela, nous aurons besoin d'un ustensile qui sera spécifique, qui se trouve dans toutes les grandes surfaces. Vous n'aurez aucun mal à retrouver cet ustensile. Il s'agit d'un éplucheur julienne. Jetez un œil au rayon ustensiles de cuisine et vous allez pouvoir réaliser des recettes extraordinaires avec quasiment tous les légumes de votre choix. Pour commencer, je vais sélectionner mes légumes. Je vais prendre principalement des courgettes de différentes couleurs. Ce sera beaucoup plus gai, beaucoup plus amusant dans l'assiette pour les enfants. Une fois présenté sous forme de spaghettis, tout le monde va adorer. Bien évidemment, les grands pourront en profiter également. Lorsqu'il s'agit d'une courgette, je vais enlever la peau de la courgette, une lame sur deux, parce que j'ai besoin d'une petite quantité d'amertume qui sera bien utile pour pouvoir apporter du goût à ma préparation. J'utilise ici de la courgette jaune. Vous pouvez n'utiliser que de la courgette verte. Je vais utiliser également de la carotte. Considérant que cette recette peut être utile pour les adultes également, je vais utiliser une très petite quantité de gingembre qui va apporter beaucoup de saveur à ma réalisation. Épluchez vos légumes, nettoyez-les bien évidemment. Ensuite, vous les taillez grâce à mon éplucheur spécifique et vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre assiette. Une fois que ceci est réalisé, nous allons prendre soin de cuire nos légumes. Nous ferons attention à ne pas mélanger carottes et courgettes par exemple, parce que la carotte a besoin d'un temps de cuisson qui est largement plus important, trois fois plus important au moins, que la courgette. Je vais mettre un récipient sur le feu, à feu vif, avec une cuillère à soupe, c'est largement suffisant, d'huile, une cuillère à soupe d'huile dans mon récipient. Je laisse chauffer ceci pendant environ une minute. Une fois que c'est fait, le gingembre et la carotte demandent un long temps de cuisson. Je vais donc mettre à cuire mon gingembre et ma carotte pendant environ 2 minutes. Ensuite, je vais porter un couvercle par-dessus mes carottes et gingembre pendant environ 4 minutes. Une fois que ceci est fait, je vais découvrir mon récipient. Je vais rajouter mon ensemble de courgettes. Si je n'ai que ça, mais je peux très bien utiliser d'autres légumes. Je vais faire cuire pendant encore 2 minutes. Puis pendant 3 minutes supplémentaires avec le couvercle. Une fois cette opération terminée, je rajoute sel et poivre à discrétion. Ici, j'ai rajouté une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de sel. Je présente dans mon assiette. Accompagnement pouvant être servi avec toute viande et poisson, qu'il soit en sauce ou non. Likez la vidéo, partagez la recette avec le plus grand nombre, reproduisez la recette bien évidemment. J'invite les nouveaux visiteurs à cliquer sur le lien à cet effet afin de s'abonner à notre chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo.